Repartons à Tshibanga, cette fois c'est le ministre des Affaires sociales qui a procédé ce samedi à la remise officielle de matériel orthopédique aux personnes vivant avec un handicap, aux actes de naissance pour les enfants apatrides et des chèques aux personnes vulnérables. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de province, mais également de celle de notre correspondant Judas Biviga. En marge du séjour du président de la République Dola Nyonga, le ministre des Affaires sociales a fait une descente ici dans la cour du gouvernorat de la localité où elle est accueillie par le secrétaire général de province. Le membre du gouvernement de la transition a procédé à la remise officielle du matériel orthopédique aux personnes vivant avec un handicap, des actes de naissance aux enfants apatrides et des chèques alimentaires aux personnes vulnérables. Ces trois actions que vous allez poser tout à l'heure sont d'une grande portée sociale et vivement saluée. C'est également le lieu de remercier sincèrement le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Olivier Nguema, qui ne cesse de mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie de la population gabonaise. Ce geste de solidarité qui vise à accompagner cette catégorie de personnes vient cependant faciliter leur déplacement. Le ministre des Affaires sociales a rassuré les uns et les autres sur les projets pris en charge inclus dans la politique du gouvernement de la transition. La lutte contre la précarité et l'exclusion sociale sont des points très importants pour le gouvernement de la transition. Le renforcement de la protection sociale à travers qui est la vision du chef de l'État, président de la transition, président de la République, le général Brice Clotaire Nguema. Cette photo des familles a donc décrit la réussite de cet événement de grande portée.